est de retour pour une nouvelle vidéo. On va évoquer les informations mercato de ce dimanche soir. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, est-ce que Julian Alvarez va signer au PSG? Un journaliste espagnol est formel. Le PSG a fait l'offre qu'il faut pour faire signer Julian Alvarez et Manchester City, tout comme le joueur argentin, vont l'accepter. Est-ce qu'il faut croire en cette information, Nono? Bon, moi, j'y crois beaucoup. Peut-être qu'il en a marre d'être sur strapontin aussi. Pardon ? C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Peut-être qu'il en a marre d'être assis sur le banc, un coup moins, un coup à l'angle. Bon, mais peut-être que, vu ses antécédents, vu la Coupe du Monde qu'il a faite, c'est un très, très bon joueur. Maintenant, est-ce qu'il peut faire passer un cap au PSG ? Je n'en sais rien. Alors, bon, journaliste de El Chiringuito TV, très suivi en Espagne, certes, mais moi, je prends toujours ça avec des pincettes. François Gallardo envoie une bombe en annonçant que le PSG a pris les devants dans le dossier Julian Alvarez, l'attaquant de Manchester City, est en grand froid avec son entraîneur Pep Guardiola, laissant entendre qu'il était déçu, non pas de son temps de jeu, mais d'être toujours écarté pour les gros matchs. Cette prise de parole a mis en éveil deux clubs, principalement l'Atlético Madrid et le PSG, alors qu'il se murmurait que les relations tumultueuses entre la France et l'Argentine sur le plan sportif pouvaient freiner une arrivée sud-américaine à Paris. Le journaliste affirme que c'est bien le club tricolore qui a fait la différence. L'arrivée de Alvarez en France, Nono, à Paris, sachant qu'il était à côté de Enzo Fernandez quand il a chanté les chants envers les joueurs français, est-ce que l'accueil risque d'être compliqué pour lui et est-ce que ça risque de freiner, freiner son arrivée? Pas son arrivée, je veux dire son transfert, mais son intégration. Oh, t'inquiète pas, Sacha, il te met deux lucarnes de 20 mètres, les gens vont vite oublier, là. Alors le PSG de Nasser a effectué une offre... peut-être impossible à refuser, que ce soit par Julian Alvarez en personne ou par City, qui peut empocher un gros magot pour un remplaçant. Hein. Les détails ne sont pas encore révélés, mais le club espagnol était pressenti pour faire une offre de 60 millions d'euros, l'Atlético Madrid, bonus compris. Mais le PSG aurait ainsi proposé 70 millions d'euros hors bonus pour faire la différence, selon les médias anglais ce week-end. Donc cette information a provoqué... l'incrédulité dans l'entourage de l'Atlético Madrid, pour qui rien ne laisse penser que ce dossier est terminé. Donc très influent en Espagne, François Gallardo a reçu une vague de critiques pour ce message musclé qui donne au Paris Saint-Germain un attaquant de premier plan afin de compenser le départ de Kylian Mbappé. La partie est toutefois loin d'être jouée, hein, selon la presse espagnole qui estime qu'Alvarez, parti pour de courtes vacances après la fin de son aventure au JO, va désormais étudier les offres qui sont sur la table. Cela alors que City n'a pas officiellement reconnu que son attaquant était sur la liste des transferts. Honnêtement, Nono, est-ce que c'est juste une info pour faire du buzz? Ou est-ce que c'est vraiment une vraie info comme quoi il va quitter City pour un autre club et peut-être le PSG? Pour moi, c'est une vraie info. Premièrement, parce que Guardiola ne garde jamais les joueurs qu'ils ne veulent pas rester. Ça, c'est sa politique. Bon, ben, deuxième chose, comme tu as dit, les prix là... on risque encore d'avoir un prix astronomique. Bon, bah, tu verras que ça sera, par rapport à l'Atlético, ça sera 20 à 30 plus cher. Et je ne te parle pas du salaire. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, Alvarez, à moins d'événements de dernière minute, et bien pour moi, il va signer au PSG. Bah, je ne sais pas ce qu'il nous dit qu'il va signer au PSG, Nono. Mais bon, hein. Si tu veux, on peut prendre un petit pari. Bah, je fais pas parier, mais pour moi, il y avait mieux à faire. Franchement, il y avait mieux à faire parce que je pense qu'il y a plus complet à aller chercher. Bah, je dis pas qu'il fallait prendre Haaland, hein, qui a une clause libératoire à 150. C'est compliqué, mais moi, j'aurais préféré Osimhen. Après, c'est vrai que ça les vaut pas. C'est vrai que ça les vaut pas. 130 millions, ça ne les vaut pas. C'est vrai qu'Alvarez, c'est 60 millions d'euros moins cher, mais peut-être moins fiable. Je suis pas comme un fou, mais bon, après, peut-être que je peux me tromper, hein, mais. Je me trompe rarement quand même, hein. Bref. Le PSG cherche un pigeon pour Carlos Soler, Nono. Personne n'en veut. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ça va être très très compliqué. Je demande à l'Arabie Saoudite de nous sauver cette année. Il faut que Al-Hilal nous aide. Ah bah oui, il n'y a qu'eux qui peuvent nous sauver. Alors, Nono. T'as
T'as 5 ou 6 joueurs qui sont invendables. Alors, Luis Enrique craque pour Emeric Laporte, le défenseur central français naturalisé espagnol. Le joueur a révélé à l'Athletic Bilbao avant de toucher les sommets avec City, évolue depuis un an à Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Il a réussi à ne pas perdre le rythme, hein, de haut niveau comme N'Golo Kanté, hein, titulaire indiscutable avec la Roja qui a gagné l'Euro. Donc force est de constater que l'Arabie Saoudite n'est peut-être pas si faible que ça quand tu vois le niveau de Laporte et de N'Golo Kanté. Donc il y a José Alvarez Aya qui annonce en Espagne que le Paris Saint-Germain est intéressé par le défenseur central franco-espagnol. Autant de données qui ont éveillé aussi l'intérêt du PSG et de Enrique qui a fait savoir à ses dirigeants que ce profil correspondait à ses attentes. Donc de quoi lancer les premières discussions, même s'il est rare de voir les joueurs partir en Arabie Saoudite revenir sans un bel effort financier. En tout cas, il ne devrait pas être trop difficile de convaincre de le revenir en Europe, hein. Lui quand même, qui avait laissé entendre que le championnat saoudien faisait tout de même très amateur à son goût et que les promesses n'étaient pas toujours tenues. Un retour en Europe par la grande porte est donc une idée qui a du sens, surtout pour un joueur dont la qualité technique aiderait Luis Enrique et le Paris Saint-Germain à asseoir sa solidité défensive. Emeric Laporte à Paris, Nono, oui ou non? Fort possible. Non, mais ce Fort serait bien ou possible. ce serait pas bien déjà avant d'en parler. Alors, moi, ça ne me déplairait pas. Défenseur rugueux, titulaire quelques saisons à City. Bon, après, il y a eu une embrouille avec Guardiola. On ne sait pas laquelle, il a perdu sa place. Très belle relance, chose qu'adore Enrique. Donc, c'est tout à fait possible. Et donc, n'oublions pas son euro exemplaire. Donc on n'est pas au bout de nos surprises, en tout cas ça pourrait être une des pistes. Donc Alvarez, Laporte, mais pour l'instant Nono, 4 août et toujours pas de recrue. Donc bon, l'inquiétude quand même est là, hein. Eh bien, l'inquiétude est là, bien sûr qu'elle est là. Qu'est-ce qu'on fait de Colomboigny? Qu'est-ce qu'on fait de Ramos? Là, on est en train de me parler d'Alvarez. On rajoute un troisième avant-centre. Bon, ben écoute, moi, j'y comprends plus rien. De Hein. toute façon, De Nono, toute dans une façon. équipe, il faut toujours un remplaçant à un numéro 9. Donc, tu Ah, mais peux. là, ça en fait deux. Hein. Non, là, on en a 4. On en a 4, là. Voilà, on en a quatre. Hein, donc, tu peux avoir des blessés tranquilles. Incompréhensible. Incompréhensible. Non, c'est pas ça la question qu'il faut se poser. C'est qu'il faut en garder 2. Si Alvarez vient, il faut garder soit Ramos, soit Colomwani, soit Asensio. Sachant qu'Asensio, il peut jouer sur les côtés, même plus bas au milieu. Et aussi numéro 9, donc ça peut être utile. Colomwani peut jouer 9 et à droite. Et Ramos seulement 9. Donc qui c'est qu'on sacrifie? Je ne sais pas qui on sacrifie. Moi, sur ce que j'ai vu, je donne ma chance à Ramos. Le peu que j'ai vu, moi, c'est un joueur qui ne me déplaît pas. Colomouani, pour moi, il a montré ses limites, aussi bien en club qu'en équipe de France. Mais c'est toujours pareil. C'est un truc où tu peux mettre un bordel monstre dans le Donc vestiaire. admettons, Tu trouves. admettons qu'Alvarez y signe, t'as 4 attaquants. Il faut en dégager 2. Les deux qu'on dégage, c'est lesquels? C'est Asensio et Colomwani? Ou on en garde 3 et on n'en vire qu'un seul? Ben, je crois que c'est Asensio, Colomouani. Tu peux pas dégager, comment il s'appelle, le petit Barcola maintenant. Non, on parle pas de Et tu. Barcola. On parle pas de Barcola, on parle de Ramos, Asensio ou Colomwani. Ben, moi, je vois Asensio partir. Et si Non mais ça doit se faire. qui faudrait qu'il parte? Qui Ah, a... ben, Asensio, Colomouani pour moi. Non mais ouais mais je pense pas qu'il va en dégager 2 mais moi je préférais que Colomouani s'en aille plutôt qu'Asensio parce qu'Asensio il peut être utile pour venir défendre pour venir repiquer au milieu tout ça. Moi c'est Colomouani que je ferais partir. Hein, Colomouani, ça a été une grosse déception et je vois pas comment il peut progresser. Moi, le premier, je me suis trompé. C'est un joueur très très limité qui a eu la chance de faire une fin de Coupe du Monde miraculeuse. Bon, puis après, tu as vu la saison. Hein. Voilà. Alors, alerte enlèvement, prénom Joao, nom de famille Neves, âge 19 ans, perdu depuis son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle jeudi soir.
Si vous le retrouvez, contactez luiscampos@psg.fr. Non, non, c'est la petite blague du jour. Alerte-le. Ouais, bah, ta blague est très bonne. C'est encore une histoire peu de pognon. Qui est le patron dans ce club? Est-ce que c'est Campos? Est-ce que c'est Nasser? Bon, ben voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu vois le Real qui achète des stars et tu n'en entends pas parler, tactique boum boum, et c'est fait. Eh ben le PSG, c'est toujours compliqué. Et ben voilà, si vous avez des nouvelles, si vous avez des nouvelles de João Neves, ne faites rien. Prévenez Monsieur Luis Campos à luis.campos@psg.fr. Pas de nouvelles depuis 72 heures, Nono. On espère qu'il va bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono. Merci à tous. Tchuss. Ouais.